Cette histoire-là, c'est de l'esbrouf. C'est pas parce que deux bonhommes se font ratatiner par la foudre que... Un homme foudroyé, c'est un accident. Deux hommes foudroyés, c'est un complot. Melmont était le plus important fabricant d'armes de France. Veraldi était chimiste. Il fabriquait de la poudre explosive à partir de n'importe quoi. Et alors? C'est pas le moment d'être fait de ce côté-là. Pas le moment du tout. Vous croyez quoi? Une attaque des Prussiens? Ce sont eux qui vous ont mis sur le trône. Je redoute une attaque de l'intérieur. Et qui la faute? Rappelez-vous, Vidocq. Vous avez jusqu'au prochain orage. Vous avez à vendre? Ce que vous cherchez. La jeunesse éternelle. Pourquoi vous prévenez pas la police? J'attends mon heure. Je connaîtrai bientôt le nom de celui qui a tout manigancé, celui qui inspirait les trois pervers. Vidocq et moi, on était sur la même piste. Quelle piste? La soufflerie, bien sûr.